grand reste du monde que nous ne quémandons pas. Nous demandons simplement une justice climatique, l'équité. Il nous faut aller vers une transition énergétique parce que nous ne pouvons nous développer sans énergie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire oui, climate change, en même temps donner dos aux régulateurs qui sont les pays africains aujourd'hui et qui ont, je vous l'ai dit au travers de 3 commissions, aujourd'hui des plans d'investissement et des fonds fiduciaires. Mais qu'est-ce que nous recherchons exactement? Nous voulons avoir accès au crédit carbone, la tonne du prix carbone souverain. Parce qu'actuellement, les Africains achètent le prix carbone, le crédit carbone, sur le marché volontaire, qui est un marché marginal et qui, dans les prix aussi, entre 5 et 8 dollars. Il est temps que nous ayons accès, comme tous les autres pays du reste du monde, à des prix qui aussi entre 50 et 120 dollars. Il n'y a pas de raison que nous, on nous dise d'attendre le mécanisme prévu dans un des points de l'article 6 de l'accord de Paris depuis 5 ou 6 ans et qu'on ne le mette pas en place et que les pays partis comme nous de l'accord de Paris ont accès à ce prix souverain et nous on nous demande d'attendre et la sanction c'est qu'à Glasgow on nous dit prévint 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, nous ne pouvons pas vendre notre crédit carbone, la date est passée, ce n'est pas normal. On ne peut pas nous dire d'un côté nous allons vers la décarbonisation et en même temps garder à Glasgow les énergies pas propres donc polluantes du charbon. Ce n'est pas possible. Ne nous demandez pas de mettre nos ressources naturelles sous cloche, donc de serrer la ceinture pour que le monde riche respire. C'est ce qu'on appelle l'injustice climatique. Il faut que nous en soyons conscients. Nous ne quémandons pas, nous disons simplement, nous avons également le droit de nous développer. Nous avons le droit d'aller vers cette transition énergétique. Parce que je vous le répète, sans énergie, nous ne pourrons pas nous développer. Nous avons nos populations. Aujourd'hui, nous sommes contents. Il y a une première victoire au segment des ministres à l'ouverture le 6. Les pertes et préjudices ont été enfin pris en compte, ce qui nous permettra également d'avoir des fonds additionnels. Mais là également, il ne faut pas que ça soit une démarche de plus qui soit une démarche déclarative. Il nous faut maintenant aller vers des choses concrètes. Et nous voulons qu'ici, à Sharm el-Sheikh, ça soit la COP de l'action effective. La COP de la mise en œuvre, nous avons connu toutes ces différentes COP. Je suis à ma 6e COP en tant que ministre de l'Environnement et le patron du climat chez moi. Mais ce que je retiens dans les dates des agendas climatiques, c'est que l'accord de Paris nous a donné un squelette. Un squelette qui nous permet aujourd'hui de toucher du doigt certaines réalités. Mais il nous faut maintenant que cela soit concret. Il y a plusieurs mécanismes de financement. Et nous voulons qu'il y ait plusieurs solutions, mais dire au reste du monde que les Africains ont des solutions. On ne peut pas continuellement. Nous avons eu un des instruments financiers de l'accord de Paris, c'est le Fonds vert pour le climat, qui porte 50% de financement d'atténuation, 50% de financement d'adaptation. Là, nous avons le fonds d'adaptation qui va porter que sur des fonds d'adaptation. Nous espérons à ce niveau-là que les financements vont se conjuguer avec les autres instruments des commissions climat que nous avons. Lorsque vous regardez la commission climat de la région du Sahel, elle a un instrument financier qu'on appelle justement le fonds climat de la région du Sahel. Nous avons à le bassin du Congo le fonds bleu pour le bassin du Congo. Aujourd'hui, il est temps que les partenaires puissent nous regarder droit dans les yeux dans ce langage de vérité. Excusez-moi, je veux travailler avec tout le monde, mais on ne peut pas me dire en tant qu'Africaine, le Nord, les pays du Nord connaissent mieux l'Afrique que nous, même les Africains aujourd'hui. Travaillons ensemble, mais ne nous écartez pas. Et lorsque nous regardons les financements, j'insiste, le problème qui est le crédit carbone aujourd'hui, les crédits carbone, la différence avec
Tout ce qui vient de façon additionnelle dans les différents partenariats nous permettrait réellement d'avoir des financements pour lever notre économie circulaire. Je terminerai par une proposition concrète. Nous voulons qu'au niveau des banques multilatérales de développement, on puisse les dérisquer. Il faut dérisquer les banques multilatérales de développement pour permettre au secteur privé d'investir directement auprès des États que nous sommes aujourd'hui. Parce que les institutions comme telles, les États n'ont pas d'argent, mais ce sont les institutions privées qui portent les financements de tous les projets sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral également. Voilà à peu près ce que je voulais vous porter comme message. Nous restons très optimistes, mais nous devons courir après le temps. Nous avons identifié le problème maintenant du changement climatique. Nous savons ce que c'est. Nous avons des problèmes également dans la gestion de tout ce qui est biodiversité. Nous sommes à la veille de la COP15 sur la biodiversité qui va se tenir au Canada. Nous sommes également à la veille de la COP19 qui va se tenir sur la CITES, sur la faune et la flore. Et nous devons courir après ce temps.